Alors bonjour à tous, on est ravis d'accueillir aujourd'hui la semaine de la pop philosophie et donc je remercie Jacques Serrano et son équipe donc d'être venus nous voir pour nous proposer donc une soirée spéciale autour de la thématique philosophie, sociologie, esthétique du crime. Je vais très vite lui céder la parole. Juste pour vous dire que donc suite donc à la conférence de Céline Régnard et Laurence Montel, qui sont toutes deux historiennes, et Michel Sanson qui sera modérateur en fait sur la rencontre, donc vous pourrez assister à un débat donc avec l'ensemble de ces personnes. Voilà, et puis on se retrouve tout à l'heure à la fin donc de la séance. Jacques, je vous cède la parole, notamment pour évoquer en fait aussi le sujet de ce soir. Bien, bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux. Je tiens à remercier bien évidemment nos invités qui sont sur ce plateau et ainsi que le musée d'histoire de Marseille avec qui nous avons mis en place une collaboration très très intelligente et très très intéressante. Le sujet de ce soir, nos invités vont vous en parler bien mieux que ce que je pourrais le faire. Je me permets de vous signaler que demain, on va se trouver au cinéma des variétés, si je ne me trompe pas, sur une même période historique, qui est le film de Maurice Tourneur, Justin de Marseille. Alors c'est à 18h30 de mémoire, et c'est au cinéma des variétés. Il y aura un philosophe qui s'appelle Rosmeny et un avocat, maître hospital, qui analysera l'idée de l'éthique du gangster au cinéma, et l'autre, le second, qui connaît le terrain et qui est très très proche de la criminalité à Marseille. C'est un grand pénaliste marseillais. Je vous souhaite une très bonne soirée, merci beaucoup, et encore merci le musée, son équipe. Voilà. Bonsoir, ça marche? Oui. Alors, je vais commencer par une chose toute simple. J'ai été invité ici et j'étais très flatté parce que ces deux historiennes-là m'ont appris beaucoup de choses. Et puis, je leur avais dit, moi, les nouvelles galeries, je ne connais rien. Je sais où c'est, je vois l'immeuble neuf, je sais qu'il y a les marins-pompiers, il y a même une plaque et tout, mais... Voilà. Et donc, j'ai dit, mais moi, je ne veux pas parler de ça puisque je ne connais pas. Il dit, non, mais parle d'autre chose. Donc, je vais parler de tout, sauf des nouvelles galeries, mais c'est quand même, parce qu'on a un petit peu parlé avant quand même, c'est quand même lié à une question majeure. Pour moi, c'est la question de, et c'est par rapport à toute cette semaine qui se déroule, l'image de Marseille et la légende. C'est-à-dire que je pense que les nouvelles galeries dont je ne parle pas s'inscrivent dans une longue tradition dans laquelle la ville de Marseille est considérée en France comme la ville, évidemment, où il y a beaucoup de criminels, que les hommes politiques et les criminels sont liés, et que, par ailleurs, la justice elle-même dépend de ce système mafieux, mot que je refuse absolument, et dont, d'ailleurs, je dois dire que la thèse de Mme Montel sur ces années 20-40, enfin, cette partie-là, était absolument remarquable et m'avait appris beaucoup de choses. Alors, si j'en parle pas, si je reviens un peu en arrière, c'est que cette histoire de Marseille comme une ville étrange qui est peuplée de gens bizarres et souvent dangereux, il y en a une preuve, une série qui est assez connue et sur laquelle je ne vais pas insister, mais enfin, Justin de Marseille, je parle du cinéma d'abord parce que c'est une façon de construire un récit et une légende sur une ville tout à fait remarquable. Et depuis Justin de Marseille 1935, en passant par French Connection, où on raconte aussi des choses qui se passent à Marseille, la capitale de la drogue ou du trafic de drogue et tout, c'est en 1971,
et qui a 4 Oscars, ce qui fait que Marseille est mondialement connue comme la capitale de la drogue à l'époque, et ce film en a été un des acteurs majeurs. Et puis Netflix en 2016 a refait Marseille, qui était absolument comme les autres, c'est-à-dire c'est à peu près sans intérêt, pas très bien réussi d'ailleurs, et au passage, ils ont pu filmer dans la mairie de la ville, le bureau même de M. Godin, qui après s'inquiète du, comment il appelle ça, Marseille bashing, l'histoire de cette ville absolument sinistre. Si je parle de films, c'est parce que là, il y a une série très connue et qui se transmet de cinéaste en cinéaste, et donc de milliers de spectateurs en milliers de spectateurs. Mais en fait, ça remonte à avant. Dans la thèse de le mec dont j'ai oublié le nom, Daudet déjà raconte ça. En 1881, il invente un bandit, Numaru Mestan, que est flemmard et truand, et qui commence à raconter qu'à Marseille, ben, ou dans le Midi, il y a des gens un peu étranges. Et puis, ça, c'est un texte. Mais il y a une histoire beaucoup plus importante quand même, qui est cette histoire que vous connaissez probablement, qui s'appelle le recul de Lorraine. Le recul de Lorraine, c'est quoi? C'est qu'en août 14, l'armée française attaque l'armée allemande et prend une dérouillée. Pourquoi? On ne sait pas. Par contre, le général Joffre, qui dirigeait cette offensive, lui sait pourquoi. Il le dit, il le fait dire à un journal qui s'appelle Le Matin, qui est très lu à l'époque. Il explique que c'est la lâcheté des méridionaux du 15e corps qui fait qu'on a perdu cette bataille. Or, c'est entièrement faux, c'est pas du tout. Il se trouve que c'était des gens des méridionaux et c'est eux qui ont été battus, bien sûr. Mais ils ont été battus pour une raison simple, c'est que l'armée française croyait à l'époque que l'infanterie était majeure, que l'armée allemande avait compris que c'était l'artillerie qui comptait. Donc les soldats français, qui étaient en plus avec des pantalons rouges et tout, ont foncé et ont pris des obus sur la tête et ont fui. La façon d'expliquer ça du général Joffre a été de dire que c'était encore ces méridionaux. D'ailleurs, les méridionaux, ceux qui sont morts, ont longtemps, n'ont pas été décorés jusqu'aux années 24 parce qu'ils avaient fui, parce que c'était des lâches. Or, c'est entièrement faux, c'est pas ça qu'il s'agit. Ces histoires-là, donc là, c'est pas du cinéma, c'est une histoire réelle, mais c'est les journaux qui racontaient ça. Et cette histoire qu'à Marseille, on est un peu lâche, un peu bavard et un peu truand, elle vient de loin. Et évidemment, à propos des nouvelles galeries, dont je dirai rien, elle s'est ancrée. Quand je dis ça, c'est que ces légendes s'inscrivent parfois sur des faits réels. C'est pas qu'il n'y a pas à Marseille des bandits ou des flemmards ou autres. C'est que ça, c'est les Marseillais, c'est ça. Et cette construction de l'idée de Marseille, la Chicago provençale, continue, cinéma, 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 acte réel, la guerre de 14, mais plus loin, des dizaines de livres sont écrits sur le banditisme à Marseille. Vous en connaissez, par exemple, Bandit à Marseille, Ordure Connection, ou même un ethnologue américain qui s'appelle McCoy, qui a beaucoup travaillé sur le trafic de drogue au niveau mondial, cite à propos de Marseille, qui? Un journaliste. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de terrain là. Mais comme c'est dans un journaliste qui raconte ça, il est mort il y a une semaine, Saccomanno, qui avait transporté des rumeurs à Marseille, c'est comme ci, c'est comme ça. Et l'ethnologue de grande réputation et tout à fait remarquable, McCoy, cite ça. Ça prouve pas que c'est vrai, ça prouve qu'un journaliste a raconté ça. Et donc on se retrouve toujours dans cette idée de cette Marseille étrange où vivent donc tous ces flemmards et autres. Je précise d'ailleurs qu'un invité de cette semaine, que j'ai bien connu, il était procureur à Marseille, il s'appelle Jacques Dallest, a officié ici. Il avait le droit de parler, les procureurs, les autres aussi, mais les procureurs parlent, ils portent le discours sur la ville, et il l'a fait, et il a même écrit un livre en 2015. Et dans ce livre, il explique, un, qu'il a beaucoup compris ce qui se passait à Marseille grâce au cinéma, il adore le cinéma, mais aussi à propos d'une affaire horrible qui s'était déroulée de règlement de compte à La Rose, dont j'ai oublié le nom, que Marseille, c'est comme les favelas de Rio. C'est quand même une étrange vision de cette ville qu'un procureur dise Marseille, c'est comme les favelas de Rio, je parle du Brésil. Je trouve ça inouï qu'un procureur puisse écrire ça. Et donc lui-même, il s'inscrit dans une espèce de légende de ville noire dans laquelle nous vivons, nous tous, bandits, amateurs de pastis et de football. Je vais m'arrêter là avec juste deux remarques quand même sur cette question-là, trois remarques. La première, c'est que je pense ces questions, l'air de rien, qui paraissent un peu anecdotiques, majeures dans l'idée de ce que c'est qu'une nation. Je veux dire par là que pour faire une unité qui s'appelle la France, nous savons que les Corses sont tous éphémères,
Les Bretons sont tous un peu raspis, comme les Normands. Et eux, ils savent qu'il y a beaucoup de bandits à Marseille. Les Anglais, eux, ils croient qu'on est tous pareils, qu'on mange des cuisses de grenouille. C'est faux. Ils ne connaissent pas la France, eux. Et les cuisses de grenouille, d'abord, c'est les Chinois qui les font. Et les cuisses de grenouille viennent aussi de Chine. Mais cette histoire, la façon dont on voit une ville, est aussi constitutive de, j'aime pas beaucoup le mot, de l'unité nationale. Je finirai juste avec un point, parce que j'avais enquêté là-dessus à un moment, où, parce que j'étais assez longtemps journaliste. Je m'étais renseigné sur cette histoire à Marseille. On aime beaucoup le foot et on boit beaucoup de pastis. C'est vrai que la société Ricard est née ici. Or, le plus grand consommateur du point de vue des statistiques réelles, c'est-à-dire des vendeurs d'apéritifs anisés, ça qui s'appelle Ricard, machin, un truc, c'est le Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire qu'en fait, et ce n'est pas encore un chiffre qui est donné à un éditorialiste qui travaille sur BFM TV, c'est une statistique officielle des marchands de pastis. Donc à Marseille, on boit beaucoup de pastis, mais beaucoup moins que dans le Nord-Pas-de-Calais. Je crois que je vais m'arrêter là et laisser la parole à des historiennes un peu plus sérieuses. Bien, bonjour. Je commencerai par remercier Jacques Serrano, le Musée de Marseille, de nous avoir invités pour présenter cet événement, c'est-à-dire donc cet incendie des Nouvelles Galeries du 28 octobre et aussi le scandale qui s'en est suivi et la mise sous tutelle qui est intervenue en mars 1939. Alors, c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Monsieur Sanson, de fait, il y a un lien très important qui est fait dans les représentations actuelles, hein, on va dire, entre Marseille, la mauvaise image de Marseille, cet incendie, la mise sous tutelle. On pense souvent qu'il y a un lien direct, en fait, entre l'incendie et la mise sous tutelle. Et peut-être de manière certainement de manière trop schématique. Et donc, ce que nous voudrions faire aujourd'hui, c'est ouvrir des pistes, donc revenir sur les événements, mais montrer qu'il y avait toute une complexité, tout un contexte qui dépasse le seul cadre local et surtout qui dépasse la seule mauvaise réputation de Marseille, qui ont expliqué cette mise sous tutelle. C'est-à-dire qu'en gros, le schéma qui pourrait être, si évidemment je le caricature à l'extrême, hein, qui pourrait être que on avait en France une image très négative de Marseille et que cet incendie a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui a justifié la mise sous tutelle, ben ce schéma est un peu trop simple. Et donc notre but, ça va être de vous montrer qu'on peut l'interpréter un peu autrement. Articuler les éléments autrement. Alors on va évidemment n'apporter qu'une partie des éléments dans notre présentation parce qu'il y aura énormément à dire et il y aura ensuite une discussion à ce sujet. Donc je vais commencer par vous présenter les faits, ensuite Céline Régnard prendra la suite de la conférence et parlera plus précisément de la mise en accusation de la mairie socialiste de Marseille et du scandale qui s'est produit à la suite donc de cet incendie, et puis je terminerai en revenant sur une mise en contexte plus large de l'événement et des raisons donc de cette mise sous tutelle. Donc premièrement, pour vous présenter les faits, je voudrais revenir sur l'incendie et puis ce bâtiment des Nouvelles Galeries pour simplement rapidement resituer les lieux. Cet immeuble, cet édifice n'existe plus, hein, puisque aujourd'hui, en lieu et place, a été construit un immeuble qu'on appelle le building Canebière, qui a été conçu donc par l'architecte de la reconstruction dont le nom m'échappe immédiatement, Pouillon, voilà, excusez-moi, Fernand Pouillon, et qui se trouve donc au croisement entre le boulevard du Goumier et la Canebière, qui a été récemment en plus réhabilité. Mais je vous montre donc comment était ce grand magasin des Nouvelles Galeries à l'époque. Hein. Sur la Canebière, il s'étendait sur 50 mètres, il se prolongeait sur l'actuelle rue Vincent Scotto, où il était mitoyen donc avec le théâtre cinéma des variétés. Côté boulevard du Gommier, il était voisin d'une filature. Il y avait un café hein, qui le prolongeait au-delà donc sur la Canebière. Et il donnait de l'autre côté sur la rue Tubano.
Et alors, son emprise au sol était d'environ 3 500 m², ce qui est grand, mais pas immense, hein, parce qu'il y a des grands magasins, vraiment beaucoup plus grands dans les grandes capitales européennes. Alors, c'était un édifice, évidemment, comme vous voyez, monumental, hein, de style néoclassique, avec des influences art déco. Il avait donc cette tour d'angle et cette coupole, hein, qu'on retrouvait dans beaucoup de ces grands magasins. Mais surtout, ce qui est important, c'est, vous voyez, il y avait toute une architecture moderne avec des armatures en métal qui permettait d'encadrer de grandes baies vitrées et à l'intérieur donc un grand hall d'entrée comme on trouve encore dans certains de ces grands magasins, donnant vue sur les étages, sur les rayons qui étaient donc dans ces étages. Et il y avait énormément de boiseries, les intérieurs étaient assez précieux mais évidemment particulièrement inflammables, en particulier parce que, à la différence de l'architecture de ces grands magasins dans les États-Unis, il n'y avait pas de règlement qui forçait à isoler les étages les uns des autres pour prévenir ou empêcher la progression des incendies. Là, c'était extrêmement ouvert, hein. Il y avait un côté cathédrale un peu du progrès de la modernité et évidemment, ça favorisait un embrasement général en cas d'incendie. Alors, l'incendie se produit donc le 28 octobre 1938, en tout début d'après-midi, juste après la pause méridienne, au moment où le personnel a repris son travail et les clients ont commencé à se faire nombreux. Et on sait que l'incendie a pris dans un espace qui était en cours de rénovation, c'est-à-dire qu'il y avait un chantier qui était isolé des espaces de vente par des grandes bâches dont on a expliqué ensuite qu'elles étaient recouvertes de papier goudronné. On s'est demandé dans quelle mesure c'était pas quand même très inflammable. Il y avait des travaux derrière, mais l'activité du magasin continuait, c'est dans ce chantier donc que les flammes sont parties. Et les témoins racontent qu'il y a eu une petite explosion, qu'à la suite de cette explosion, le feu a gagné le premier étage, le deuxième, et que l'ensemble du bâtiment s'est embrasé en moins de 5 minutes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes prises par les flammes et par les fumées ont essayé d'ouvrir des fenêtres, ce qui a créé un appel d'air, embrasant la totalité donc, de l'édifice. Et vers 15h, donc, la situation est particulièrement spectaculaire. Les planchers en bois s'effondrent avec fracas, puis la marquise s'effondre, la coupole, et des flamèches se dispersent aux alentours. Et malheureusement, ce jour-là, il y a un mistral très fort, alors qu'il a évidemment dégagé le ciel, mais qui pousse ces flamèches autour, disons, de cet édifice, et notamment du côté des grands hôtels qui se situaient tout autour. Et c'est l'hôtel Noailles donc, qui s'embrase de l'autre côté de la Canebière. Et bientôt, tout le pâté de maison est en fait menacé par les flammes, si bien que l'ordre est donné d'évacuer les habitations voisines. Pour vous donner une idée, à 100 mètres de là, un incendie se déclenche au lycée Thiers, donc il est rapidement maîtrisé. Mais on voit bien qu'il y a quand même un danger à ce moment-là d'un feu qu'on ne parvient pas à maîtriser dans le centre de la ville. Alors, c'est Alors, dans un premier temps, on sait que les employés sur place ont essayé de maîtriser le feu, mais n'y sont pas réussis. Puis, ils ont essayé d'appeler les pompiers. Et dans un premier temps, ils n'arrivent pas à les joindre, puisque c'est finalement de l'agence Air France que le premier appel arrive à la caserne à 14h35. Et les premiers pompiers arrivent 5 minutes après. Donc, on ne peut pas dire que les pompiers aient chômé, parce qu'ils ne mettent que 5 minutes à arriver de la caserne, qui est boulevard de Strasbourg. Mais ils arrivent en ordre dispersé. Et c'est ça qui va leur être assez vite reproché, puisqu'ils arrivent en petit nombre, et c'est une deuxième alerte qui arrive à la caserne, qui suscite un deuxième envoi donc de renfort, on va dire. Et lorsque les pompiers arrivent, ils trouvent des scènes déjà de panique, un peu, puisque la foule s'amasse autour du brasier, essaie de venir en aide aux victimes, et celles-ci sont en train d'essayer de sortir, c'est-à-dire celles qui n'ont pas pu s'échapper par la porte d'entrée qui a été très vite condamnée, essaient de descendre des étages. Donc évidemment, ça donne une impression vraiment totalement dramatique. Certaines sont amorties par des gens qui leur tendent les bras, évidemment, et arrivent à les sauver, mais d'autres, évidemment, s'écrasent sur le sol. Les journaux vont, dans les jours qui suivent, beaucoup dramatiser.
Alors, lorsque les pompiers arrivent, ils sont aidés par des individus qui se détachent de la foule, qui viennent tirer les tuyaux, les aider à les brancher. Vous voyez aussi bien des hommes que des femmes, en fait, hein, sur ces deux images. Mais malheureusement, il est très difficile de sauver des survivants parce qu'il se trouve que le matériel des pompiers n'est pas assez opératoire. Il y a des échelles, mais elles sont trop courtes. La plus grande échelle est difficilement maniable et de telle sorte hein, que les pompiers ne sauvent qu'une dizaine de personnes. Et très rapidement, l'objectif, c'est d'arriver à empêcher le foyer de s'étendre dans le quartier. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va actionner au niveau du département une demande de secours. C'est le préfet hein, qui est mis au courant, qui réquisitionne les marins-pompiers de Toulon, mais aussi l'ensemble des forces disponibles dans le département. Et évidemment, il faut un certain temps pour qu'ils arrivent. Alors, un peu avant 16h, les pompiers d'Aubagne, de Berre et d'Aix-en-Provence sont là, mais bien sûr, pour venir de Toulon, il faut du temps, il n'y a pas d'autoroute, hein, et les pompiers ne sont là qu'à 17h. Alors, au plus fort de l'action, dans la soirée, on sait que ce sont plus de 200 hommes issus de 14 corps différents qui luttent contre les flammes. Malheureusement, on n'avait pas prévu de plan d'ensemble de coordination de toutes ces forces. Donc, ça donne une grande impression de désordre hein, aux témoins parce que les corps de pompiers des différentes villes agissent comme ils le peuvent, en tout cas, souvent en parallèle les uns des autres. J'ajoute que le maire de Lyon qui était présent sur place, donc Herriot, hein, lui demande carrément aux pompiers de Lyon de venir, mais qui n'arriveront que très tard dans la soirée. En fait, il le fait pour montrer qu'il a des pompiers très bien organisés, avec un matériel rutilant et flambant neuf. Mais bien sûr, quand ils arriveront, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Tout a déjà été fait. Alors, dès le lendemain... la presse fait sa une sur cet incendie, le lendemain ou le surlendemain en fonction des journaux. Parce que la France est abasourdie, et bien sûr encore plus Marseille et sa population, hein, par l'ampleur du drame. Mais alors si la couverture de l'événement est si grande, c'est sans doute que un certain nombre d'entre vous le savent, c'est parce que malheureusement pour Marseille, se tient en même temps à ce moment-là, au Parc Chanot, le congrès national annuel du Parti radical. Et il y a 2 à 3 000 congressistes qui sont là, avec leurs familles certains. Un grand nombre d'entre eux sont descendus dans les hôtels qui sont autour du grand magasin en question. Donc, ils sont très inquiets, bien sûr, pour la population, pour les employés du magasin, mais aussi pour leurs propres affaires. Et très rapidement, ils vont tous affluer pour venir voir ce qu'il se passe, pour voir comment les secours s'en sortent. Et d'autre part, eh bien, pour couvrir ce congrès radical, sont sur place énormément de journalistes envoyés par la presse parisienne, par la presse régionale. On sait que c'est un congrès très important. D'abord, le Parti radical est au pouvoir. Hein. Daladier, qui est le chef du gouvernement, est aussi un des membres... des plus importants de ce parti, hein. Et puis on sait que des annonces importantes vont être faites. Donc évidemment, il y a du monde pour couvrir l'événement. Et d'emblée, hein, les autorités et les journalistes prennent la mesure des dégâts matériels qui sont chiffrés en millions de francs. En fait, du grand magasin, il ne reste rien. Je vous montre aussi cette photo de presse qui vous montre l'effondrement d'une partie du bâtiment sur la Canebière, qui fait que la circulation est interrompue, et ça, évidemment, c'est très fort hein, pour une ville, de ne plus avoir de circulation en son cœur. Et puis, on peut mesurer aussi ce que c'est, hein, que ces dommages qui sont faits au poumon économique de la ville, un lieu qui est un lieu symbolique de la puissance marseillaise. Puisqu'on y trouve l'agence Air France, les grands hôtels, voilà, c'est un lieu, en fait, de la bonne société marseillaise. Alors, dès le lendemain, bien sûr, on commence à déblayer pour essayer de ranimer la ville. Mais ce qui alourdit considérablement le bilan, hein, c'est le nombre de victimes.
Et ça, on ne s'en rend compte que peu à peu dans les jours qui suivent, puisque au soir du 28, on sait qu'il y a une vingtaine de personnes qui se sont échappées des flammes, on sait qu'une vingtaine de personnes sont mortes, mais il faut arriver à recenser tous les disparus, à reprendre les listes de personnel, à savoir qui est vivant et qui est mort, parce qu'il y a des personnes qui sont en état de choc, qu'on retrouvera, qu'on croit mortes et qu'on retrouve 10 jours après, mais qui se sont réfugiées dans leur famille, parfois qui ont quitté Marseille. Donc on ne sait pas exactement combien il y a de morts au lendemain de l'incendie. Et au fur et à mesure que les jours, évidemment, passent, qu'on arrive à sortir des corps, à en identifier certains, eh bien, le bilan s'alourdit pour atteindre 73 victimes le jour des obsèques officielles, hein, qui ont lieu donc, le 13 novembre, je crois, 1938, ouais, en présence du ministère de l'Intérieur. Et la presse publie, hein, dans les jours qui suivent, donc, des photos de... des victimes. Alors, parmi ces victimes, eh bien, les employés du grand magasin ont payé le prix fort. Surtout, beaucoup de jeunes femmes qui étaient vendeuses dans les rayons, fiancées, mères de jeunes enfants, etc. Et évidemment, il y a une tension dramatique importante, hein, dans tous ces jours-là. Je vous montre aussi, on vous montre aussi ici, vous voyez deux photos de presse, où vous voyez la foule qui s'amasse devant les grilles de la bibliothèque, parce qu'en fait, assez rapidement, les corps et les cercueils, en fait, hein, des victimes sont eh bien, réunis dans la salle de lecture de la bibliothèque municipale, transformée en chapelle ardente. Et donc les personnalités défilent, bien sûr, et les familles, et puis donc beaucoup de Marseillais viennent aussi se recueillir, aussi bien sur les lieux du drame et eh bien, aussi donc dans, autour donc, de cette bibliothèque. D'autre part, hein, on sait qu'il y a un grand élan de solidarité qui se manifeste. Beaucoup de Marseillaises et de Marseillais vont donner en fait, de l'argent pour aider à améliorer, on va dire, le sort des victimes, surtout de leurs familles, hein, aussi des victimes qui sont blessées, parce que, évidemment, le magasin est fermé, et donc les victimes rescapées, par exemple, elles n'ont plus de travail au lendemain donc de l'incendie. Alors, autour des lieux du drame et dans les journaux, on commence à chercher des responsabilités. Est-ce qu'il s'agit d'un attentat communiste ? Tout de suite, au moment de l'incendie, on y pense, parce qu'il y a eu l'incendie du Reichstag, et évidemment, certains journaux disent « ça doit être les communistes », parce qu'on est en train, évidemment, les radicaux sont en train Daladier a prononcé un discours très anticommuniste lors du congrès, donc on se pose cette question, mais c'est rapidement abandonné. On se demande aussi s'il y a eu une faille dans la sécurité du magasin, imputable au gérant, à la direction des nouvelles galeries, si le coupable c'est un ouvrier du chantier, s'il a fumé sur les lieux, parce qu'on sait que ça c'était très compliqué d'empêcher les ouvriers de fumer pendant leur service, on va dire. Et on aurait pu, en fin de compte, imputer la catastrophe à la force des éléments, bon, un feu malencontreux, puis le mistral, hein, qui fait que le feu prend, mais ce n'est pas le cas, puisque là, on est dans une période de l'histoire, on va dire, de l'Occident, où désormais, on ne considère plus que c'est la Providence et que ce sont les éléments qui créent les catastrophes, mais qu'il doit y avoir des responsabilités humaines, parce qu'on aurait pu prévoir, finalement, ce feu, parce que ce n'était finalement pas le seul feu se déclenchant dans un grand magasin. Alors, nous vous montrons ici un autre exemple, par exemple un incendie du printemps qui avait pris en 1921 à Paris, mais c'est un parmi d'autres, hein, il y en a eu bien d'autres depuis le bazar de la Charité à Paris en 1897. Et donc on se demande s'il y a des responsabilités humaines. Et très rapidement, alors que, par exemple, hein, du côté de la CGT du Parti communiste, on va montrer les responsabilités éventuelles de la Société des Nouvelles Galeries, très rapidement, on va dire que, il faut imputer le drame plutôt à la municipalité marseillaise qui n'a pas fait son travail parce que les pompiers marseillais n'ont pas bien travaillé.
Voilà, donc là, ici, vous voyez donc une page du journal Marseille Matin, qui est bien sûr un journal d'opposition, hein, qui nourrit la polémique en montrant, d'une part, donc, des pompiers qui ne peuvent pas véritablement éteindre le feu parce que le jet sans vigueur, hein, se brise sur la verrière et ne permet pas d'attaquer le feu par ses hauteurs. Comme on le voit hein, ici, vous voyez, on voit très bien cette idée qu'il faut pouvoir attaquer le feu par le haut pour l'abattre. Or, l'idée, c'est que les pompiers marseillais n'ont pas réussi à l'attaquer comme il fallait. Le matériel était en quantité insuffisante et tout un ensemble de dysfonctionnements, hein, dont, sur lesquels, si vous voulez, on pourra revenir, font qu'ils n'ont pas été assez efficaces et qu'il a fallu des renforts extérieurs pour leur venir en aide. Donc finalement, alors même qu'en 1942, le tribunal correctionnel juge que le gérant du grand magasin a été responsable en partie, hein, parce qu'il n'avait pas suffisamment assuré la sécurité du magasin et la sécurité des employés, en fait, au lendemain de l'incendie, ce qui prend le devant de la scène médiatique, c'est la mise en cause de la municipalité. Alors, en effet, derrière les accusations contre les pompiers, eh bien, il y a une deuxième salve d'accusations qui ne tarde pas à être portée, qui sont des accusations visant directement la mairie de Marseille. Alors, pour comprendre ces accusations contre la mairie de Marseille, il est nécessaire, peut-être, d'apporter un certain nombre d'éléments de contexte pour que vous compreniez bien le terreau dans lequel tout cela s'inscrit. Tout d'abord, il faut dire que Marseille est une ville original, pour le coup, historiquement, en France. Il s'agit de la première grande ville socialiste de France, puisqu'elle a élu, en 1892, Siméon Flessière, qui a été un très grand maire de cette période, qui a exercé deux mandats, l'un, le premier, entre 1892 et 1902, l'autre, entre 1919 et 1931. Par ailleurs, Siméon Flessière, qui est médecin, qui est aussi celui qui a développé toute une politique prophylactique d'hygiénisme dans Marseille, etc., bon, qui a aussi été un des acteurs majeurs de cette époque sur le plan local, a aussi été un acteur majeur de cette époque sur le plan national, puisqu'il est sénateur des Bouches-du-Rhône de 1906 à 1930, ce qui est une longévité politique tout à fait remarquable. Donc il y a un socialisme marseillais qui existe depuis longtemps, hein, depuis au moins une trentaine d'années, à Marseille, au moment où on parle. Ce socialisme ne repose pas uniquement sur la personne de Flessière, mais aussi sur celle de celui qui est finalement son successeur, Henri Tassot. Alors Henri Tassot, en fait, est un Italien déjà d'origine, il est originaire du Vieux-Port, d'une famille napolitaine. C'est quelqu'un qui était présent sur la liste électorale de Flessière dès 1919. Il est donc au conseil municipal dès 1919. Il est membre de la SFIO, hein, section française de l'Internationale ouvrière. Il en est le secrétaire pour la première section depuis 1914. Alors c'est quelqu'un qui vient du peuple, qui s'est illustré pendant la Première Guerre mondiale, hein, il en est revenu multiplement médaillé et honoré, et qui ensuite a poursuivi une carrière locale. Donc il a été au Conseil général, c'est-à-dire aux responsabilités départementales, il a été député en 1924. 1924, c'est les élections législatives qui sont remportées par ce qu'on appelle le cartel des gauches, donc une union des diverses forces de gauche, dont les socialistes et les radicaux. Et il est, à partir des années 20, du début des années 20, extrêmement populaire à Marseille, auprès à la fois des milieux populaires et qui votent socialistes, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, d'une partie de la bourgeoisie, parce qu'en fait, c'est une sorte de self-made man local. Il vient d'un milieu très modeste. Il a commencé à travailler dans une petite entreprise d'huilerie. Il a repris l'entreprise, il l'a fait fructifier, etc. Et il a été jusqu'à être vice-président de la commission de commerce et de l'industrie locale. Donc c'est quelqu'un qui a des relations à la Chambre de commerce de Marseille, ce qui est très important. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est implanté localement, à la fois dans les milieux politiques et économiques. Alors, il connaît un léger revers en 1929, puisqu'en 1929, il y a à nouveau des élections municipales.
Élections municipales lors desquelles Siméon Flessière fait alliance avec Simon Sabiani, j'y reviendrai, au deuxième tour pour gagner. Et Tasso n'est pas à l'aise avec cette alliance, donc c'est à contre-cœur qu'il se rallie à la liste majoritaire, mais il ne soutenait pas cette alliance au départ. Flessière meurt en 1931, il y a donc des élections municipales qui sont organisées, et peut-être connaissez-vous la suite, c'est l'élection de Georges Ribaud, qui lui n'est pas un socialiste, et qui fait alliance avec Sabiani, qui est donc finalement celui qui gouverne la ville jusqu'en 1935. Alors, en 1935, nouvelles élections, et cette fois, Tasso est élu. Il est élu au premier tour, les socialistes ont une majorité absolue à Marseille, c'est une très grande victoire politique, la ferveur socialiste est très importante, il y a eu une célébration sur le Vieux-Port devant la mairie qui rappelle celle de la victoire de 1892. Donc tout ça pour dire que Marseille est une ville à l'identité socialiste à cette époque-là, ce qui n'est pas n'importe quoi. Ce qui n'est pas n'importe quoi, vu le contexte politique national. Évidemment, il y a des résonances entre les deux, puisqu'il y a eu l'élection du cartel des gauches, et puis, immédiatement après l'élection de Tasso à la mairie de Marseille, il y a la victoire du Front populaire. Dans ce gouvernement du Front populaire, Tasso est sous-secrétaire d'État à la marine marchande. Il sera ensuite, il poursuivra sa carrière à partir de 1938 comme sénateur des Bouches-du-Rhône. Donc vous voyez une ascension politique, assez importante d'ailleurs, d'un socialiste qui incarne véritablement le socialisme de cette ville de Marseille, qui est une ville ouvrière, une ville portuaire, dans laquelle on a organisé les deux expositions coloniales de 1906 et 1922, qui est la porte de l'Empire, qui est connue pour les grèves sur le port, donc qui est une ville qui a une réputation vraiment très forte, politiquement, à ce moment-là. Autre élément de contexte important, ce sont les fameuses relations entre le monde politique et le milieu, avec des guillemets, c'est pas moi la spécialiste du milieu ici, c'est ma collègue. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que dès le mandat de Flessière, et notamment celui de 29, il y a des relations entre Flessière, Siméon et Sabiani. Flessière s'est fait élire en 1929, avec l'appui de Sabiani, qui, je pense que ce n'est pas la peine que je le rappelle, mais c'est une sorte d'électron libre, combattant de la Première Guerre mondiale, qui a contribué d'abord à la fondation du Parti communiste à Marseille avant de basculer ensuite à droite. C'est quelqu'un qui ensuite fait partie du PPF, qui est un des seuls partis fascistes français. Donc c'est quelqu'un qui a une trajectoire politique assez particulière. Bref, il soutient Flessière. Il y a des échanges de services multiples sur lesquels je reviendrai. Il soutient ensuite Georges Ribaud, le maire suivant, et là, il s'adjoint en plus le réseau criminel de criminalité organisée qui est animé par ces deux personnages extrêmement connus, Carbone et Spirito. Alors, on estime que dans les années 30, le soutien de Sabiani vaut à la mairie de Marseille à peu près un soutien équivalent à 12 000 voix, ce qui est quand même assez important. Donc, au tout début des années 30, entre 31 et 35, ça se traduit par, évidemment, la mise en place d'un très fort réseau de clientélisme, le vote contre un emploi, contre des services rendus, etc. Donc la mairie ne cesse d'embaucher, alors même que la crise de 1929 a touché la France à partir de la fin 1931, alors même que le chômage, puisqu'il y a des allocations chômage qui sont à ce moment-là versées par les municipalités, le chômage pèse très lourd dans les budgets de la ville et les emplois municipaux viennent ajouter encore à ces dépenses. Et ainsi, un certain nombre de favoritismes, d'avancements de carrière, de commissions versées pour l'obtention de marchés publics sont des choses qui se pratiquent en ce début des années 30.
Alors tout ça pour vous dire que les relations entre la mairie de Marseille et ces milieux criminels de la criminalité organisée ne datent pas de la mairie de Tassot. Au contraire, au départ, Tassot s'est plutôt inscrit en faux contre ces pratiques. Malheureusement, pour gagner l'élection de 1935, il a besoin lui aussi de s'adjoindre les services d'un certain nombre de personnes et lui va se rapprocher des individus opposés à Carbone et Spirito que sont les frères Guérini, Antoine et Barthélémy. Donc il va se rapprocher d'eux. Il y a d'ailleurs des règlements de compte assez violents pendant la campagne électorale de 1935. Je crois que dans un meeting, il y a des tirs au pistolet qui sont échangés entre les deux clans. Donc les gros bras des candidats qui sont adversaires se font la guerre. Et par la suite, Tassot va perpétuer un système de marchés publics corrompus, d'emplois municipaux extrêmement importants, etc., voire fictifs. Donc il va perpétuer ce système. Au moment de l'incendie, en 1938, Tassot est en grande difficulté à la mairie. Son chef adjoint chargé des finances a démissionné. Parce qu'il s'oppose à la politique d'emplois municipaux, au nom d'impératifs budgétaires, au nom d'une rigueur budgétaire. Mais la CGT, qui est une force de frappe assez importante, s'oppose à une quelconque rigueur budgétaire en matière d'emplois municipaux, et Tassot se range du côté de la CGT, ce qui fait que plusieurs de ses adjoints démissionnent juste au moment de l'incendie. En fait, ces démissions sont annoncées 3 jours après l'incendie, le 31 octobre, mais juste au moment de l'incendie, Tassot est en très grande difficulté. Donc, pourquoi je vous ai raconté tout ça ? Pour vous dire que le 28 octobre 1938, c'est pas comme par magie que la mairie socialiste a été mise en accusation sur un certain nombre d'éléments. C'est dans un contexte local déjà fragilisé, économiquement, fragilisé par un certain nombre d'affaires, fragilisé par ses relations avec ce milieu, et fragilisé aussi par une lutte extrêmement forte localement entre la mairie en place, celle de Tassot, et son opposition très virulente, menée par Sabiani notamment. Alors, du coup, juste après l'incendie, ce à quoi on assiste, c'est en fait à un déferlement d'informations dans la presse, à la fois, Laurence l'a très bien dit, parce qu'il y a beaucoup de journalistes à Marseille à ce moment-là, et puis aussi parce que l'incendie en lui-même est un événement extrêmement spectaculaire, mais parce que surtout, le lien est tout de suite fait avec la mairie de Marseille. Alors évidemment, dans l'éventail immense de la presse de cette époque, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans une époque où le média principal, c'est la presse, et la radio, évidemment, mais la presse est très lue, et donc il y a une production de titres très politisés pour certains, qui est très vaste, à la fois sur le plan national et sur le plan local, donc c'est pas du tout incongru, si vous voulez, de prendre la presse comme caisse de résonance de l'opinion, à cette époque-là, c'est vraiment très important, c'en est à la fois la caisse de résonance et ce qui la fabrique, d'une certaine manière. Alors ce qu'on remarque, très rapidement, c'est que, bien évidemment, les faits ne sont pas traités du tout de la même manière selon l'orientation politique du journal. L'Humanité et les journaux de gauche socialistes essayent de minimiser les attaques contre la mairie et de faire porter la responsabilité, plutôt, comme vous l'a dit Laurence, sur des éléments techniques de l'événement, alors que dans la presse radicale, mais surtout de droite et d'extrême droite, c'est évidemment, ils s'en donnent à cœur joie. Ce sont des attaques extrêmement directes, dont le journal de Sabiani, Marseille Matin, qui, et c'est très intéressant, rapporte des propos de Daladier au moment de l'incendie. Daladier, sur les lieux, donc je vous rappelle, il est président du Conseil, il a présidé une partie du congrès du Parti radical, c'est l'homme politique d'envergure à cette époque-là, puisque sous la Troisième République, le président de la République n'a pas véritablement un rôle très important. Et il aurait dit donc, qui commande ici ? Il n'y a donc pas de chef, pas un homme pour diriger, c'est lamentable. Alors, comme me le faisait remarquer Laurence tout à l'heure, en fait, on n'est pas tout à fait certain que Daladier ici vise Tassot. Très certainement, en fait, ce sont des propos rapportés par un journaliste, très certainement, en fait, il parle du cafouillage
qui a lieu au moment même de l'incendie. Est-ce qu'on pourrait mieux éteindre l'incendie? Est-ce qu'on pourrait mieux gérer la situation, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marseille Matin fait mention de ses propos contre la mairie de Marseille. En fait, ils savent très bien que Daladier et Tassot sont des ennemis politiques, hein, puisque, je vais y revenir ensuite, les socialistes sont plus en odeur de sainteté à ce moment-là au sein du gouvernement, et donc ils essayent d'aiguillonner la rivalité politique ici. Hein, donc ici, ils font de Tassot la victime de Daladier, alors qu'en fait, c'est pas évident que ces propos puissent être attribués à Daladier, en tout cas contre Tassot. Alors en effet, c'est très clair que dans la presse, immédiatement après l'incendie, il y a essentiellement deux cibles. Le socialisme, d'une manière générale, en tant que courant politique et en tant que courant politique local, et puis la mairie de Marseille. Alors, le socialisme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'automne 38, le Front populaire, c'est déjà bien réduit à peau de chagrin, hein, et en particulier, il s'est bien déplacé à droite, hein, quand même, on peut dire, et que, à partir du printemps notamment, Daladier a choisi l'ouverture à droite, il n'a pas le soutien de la SFIO des socialistes. Comme l'a dit Laurence, il a prononcé des discours contre la SFIO et les communistes au congrès du Parti radical, et je ne vous rappelle pas qu'il a signé les accords de Munich un mois avant l'incendie. Donc, effectivement, on est dans un contexte où le socialisme est désigné comme l'ennemi, hein, par une partie de la droite. C'est un discours qui est assez récurrent depuis d'ailleurs le début du XXe siècle, donc c'est pas extrêmement original. Ce qui était plutôt quelque chose d'incongru, c'était le Front populaire en lui-même. Donc là, on revient, si on peut dire, à quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire les attaques contre le socialisme. Pourquoi on attaque le socialisme? Eh bien, parce que le socialisme, c'est la gabegie. C'est les taxes, c'est les dépenses. Donc c'est quelque chose que la grande presse, même de centre, aime à fustiger. Cette phrase est absolument extraordinaire. Les Marseillais, dont la mairie est depuis des lustres aux mains des socialistes, donc Marseille détient le record des taxes, des surtaxes et des contre-taxes. J'aime beaucoup cette expression. Les camarades disposent de fameuses pompes pour aspirer la galette des contribuables, mais ils n'en ont pas prévu d'aussi puissante pour éteindre des incendies. Bon, donc là, c'est très joli, il y a un jeu de mots, une allusion aux pompiers. C'est tout le discours libéral, évidemment, hein, antisocialiste, anti-étatique, anti-impôt, qui se réveille ici. Et donc, évidemment, tout de suite, il y a des analyses de ce type qui sont faites. D'autant que la mairie de Marseille n'est pas totalement exempte de reproches du point de vue de la gestion des comptes publics. Deuxièmement, des attaques précisément contre la gestion municipale de Tassot, et en particulier contre la façon qu'il a eue de gérer les pompiers. Alors, on est bien d'accord que ici, que ce soit en matière de gestion municipale ou en matière de politique de lutte contre les incendies, les failles sont réelles. On sait très bien qu'il n'y a plus d'investissement dans la lutte contre les incendies depuis au moins le début des années 30. On sait très bien, effectivement, que la mairie n'entretient qu'une seule caserne, ici, boulevard de Strasbourg. On sait très bien que le matériel est insuffisant, que les hommes, ça paraît extraordinaire aujourd'hui, mais il n'y a pas de permanence. Hein, ils sont comme des fonctionnaires à rentrer chez eux à déjeuner le midi et puis à revenir. Ils ne sont pas astreints à un service d'ensemble. Et le contraste, si vous voulez, avec l'action des marins-pompiers de Toulon, arrivés à 17h, et qui, eux, apparaissent comme des grands professionnels, à quelques détails près, parce que leur équipement n'est pas tout à fait adéquat par rapport à l'équipement de la ville de Marseille, mais disons, à quelques détails près, le contraste est saisissant. Ce qui fait d'ailleurs qu'une des conséquences, dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais une des conséquences de l'incendie de 38, c'est la création, en juillet 39, du bataillon de marins-pompiers de Marseille. La rénovation de la caserne et la création de ce corps qui, évidemment, est une conséquence directe de cet événement. Alors donc, deux cibles, les socialistes, la mairie de Tassot, pour tout un tas de raisons. Alors, je l'ai dit, certes, et c'est ce que Michel Sanson a dit aussi, ça s'appuie sur des éléments tangibles.
On ne peut pas dire qu'il y a eu une gestion saine des comptes publics ou que les pompiers aient été suffisamment formés, entraînés, équipés, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus de dire, c'est que dans cette affaire de l'incendie, les opposants de Tasso, localement, se régalent. C'est un boulevard pour les opposants de Tasso. Donc on voit ça très bien, c'est-à-dire qu'on voit comment les radicaux, Ribot est un radical, et surtout Sabiani derrière, qui n'ont pour objectif que de récupérer la mairie, pour faire fructifier leurs affaires et leurs idées, pour mettre leurs idées sur la place publique, comment ils travaillent à partir de l'incendie. Ils travaillent dans la presse. La presse fait parler la population. Et le fait que Sabiani possède un journal n'est pas étranger à ça, mais on voit ça arriver même dans un journal comme Le Petit Marseillais, qui n'est pas un journal fasciste, pas du tout. Hein. Et donc on peut lire dès le surlendemain dans Le Petit Marseillais des appels à la démission. Démission, monsieur Tasso et compagnie, la population marseillaise vous hurle, partez, démission à la porte. Hein, donc il y a ici une façon de rapporter l'émotion de la population marseillaise, la colère de la population marseillaise qui est certes réelle, mais de la formaliser avec cet appel à la démission qui est assez intéressant. Bon, ils font le coup de poing dans la rue et aussi ils essayent par deux fois d'aboutir à la dissolution du conseil municipal et ils n'y réussiront pas. Ils n'y réussiront pas, ils essayent dès le 31 octobre et plus tard le 13 novembre lors des obsèques. À plusieurs reprises, il y a des membres d'opposition du conseil municipal qui démissionnent et ils n'arrivent pas à faire démissionner ce conseil municipal dans son ensemble, qui a une très 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 large majorité, une majorité absolue de socialistes. Alors donc, pour terminer mon petit propos, je voudrais apporter quelques éléments de réflexion sur le fait que cette attaque contre la mairie de Marseille, à la fois contre le socialisme, mais surtout contre la mairie de Marseille, c'est quelque chose qui est une représentation, c'est-à-dire une idée, selon moi, très puissante et très durable. Et je vais prendre deux exemples ici. Alors, il y a quelques jours, je lisais, il se trouve que j'ai un enfant qui doit lire Le Temps des secrets pour le collège, comme quoi on en apprend toujours, et quelle n'était pas ma surprise quand j'ai lu page 182 du Temps des secrets, donc je vous rappelle 1961, Pagnol, qui fait dire à son héros, donc lui-même, alors je vous rappelle le contexte, il rêve, il est amoureux, il rêve qu'il va sauver sa belle d'un incendie, hein, qu'il va la sauver des flammes. Et il fait dire au premier rang de la foule, à son oncle Jules, qui, je vous le rappelle, n'est pas un socialiste, lui, « Tant que nous aurons une mairie socialiste, il n'y aura pas de pompiers, je l'ai dit 100 fois à Joseph. » Donc on trouve, pour un lecteur non marseillais ou non averti du contexte de l'époque, évidemment cette allusion à un sel beaucoup moins important. Mais pour nous, aujourd'hui, elle a vraiment quelque chose de presque archétypal. En fait, ce qui fait Pagnol ici, c'est qu'il caricature l'opposition entre son père, un socialiste, instituteur, et un libéral, son oncle. Il fait évidemment allusion à l'incendie de 38. Il en fait une pierre angulaire de la vie politique locale qui va jusqu'à diviser les familles. Je ne dirais pas que c'est l'affaire Dreyfus de Marseille, mais presque. Hein, on est presque dans ce contexte-là. En tout cas, il souligne la puissance de l'équation socialisme égale incompétence. Ça, c'est sûr. Alors, donc ça, c'est le premier exemple. Évidemment, le deuxième exemple, je l'ai pris moins loin, hein, vous en doutez. J'aime votre petit contentement à la vue de cette photographie tirée de Libération le 8 novembre 2018. Alors, j'ai été très frappée l'année dernière, à propos du drame, hein, de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, des propos tenus sur Jean-Claude Gaudin, et notamment des propos rapportés, évidemment, par Libération, hein, ça ne s'invente pas, qui auraient été tenus un journaliste de Libération, l'auteur des propos, si je me rappelle bien, n'est pas nommé, mais un membre du conseil municipal aurait dit « Sa hantise a toujours été de finir comme Henri Tasso, le maire de Marseille, qui en 1938 avait été contraint de démissionner suite à l'incendie meurtrier qui avait ravagé les nouvelles galeries de l'époque. Eh bien, si ça continue, il va finir comme Tasso. » Alors, ce qui est très intéressant ici, me semble-t-il, c'est deux choses.
Bon, déjà, Godin n'est pas un socialiste. Hein, donc déjà, ici, il n'y a pas, comment dire, le lien socialisme-incompétence. Il y a le lien, évidemment, Marseille-incompétence, hein, qui est souligné. Ce que je trouve très intéressant, c'est que cette histoire revienne. Et effectivement, hein, à propos de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, immédiatement, on a eu la même mise en accusation. À raison, hein, encore une fois, hein, il y a des véritables manquements à la politique publique de gestion de l'habitat, etc., etc. Mais on a la contribution à ce que Michel Sanson disait tout à l'heure, c'est-à-dire à la construction, en fait, de la légende noire Marseille, comme si ces choses-là n'arrivaient jamais ailleurs, en fait, hein, finalement. Alors, je m'arrête juste sur cette petite transition. Donc, vous voyez que ce qu'on essaye de vous montrer ici, c'est que la mise sous tutelle de la ville est associée dans la mémoire collective à l'incendie de 1938. La presse fait ce lien de manière immédiate, hein, on peut lire dans l'œuvre, donc qui est un grand quotidien national. Une enquête des rapporteurs du comité de réorganisation administrative a montré que des abus existants depuis de longues années dans l'administration municipale de Marseille nécessitaient, pour qu'il y soit mis fin, des mesures d'ordre exceptionnel et sans précédent. Donc, associer ces abus depuis de longues années et la mise sous tutelle en 1939, c'est évidemment construit à partir de ce scandale qu'a été l'incendie du 28 octobre 1938. Alors, je vais... Je suis désolée, je vais en remettre une petite couche, si vous avez encore un peu de courage. Rapidement, pour vous dire qu'il y a donc effectivement un tunnel, je dirais, marseillais, hein, qui est un mauvais tunnel, qui court donc de cet incendie jusqu'à la mise sous tutelle, et qui apparaît a posteriori vraiment comme l'un des moments le plus dramatique de la fin des années 30 pour la ville. C'est vrai que un lien est fait aujourd'hui comme si c'était de manière directe et très étroite qu'on allait de l'incendie vers la mise sous tutelle. Alors, je voudrais rajouter quelques éléments pour vous montrer que il est vrai que au moment où l'incendie se produit, la ville a déjà quand même une certaine réputation, un certain nombre de casseroles, on peut dire, et qui surgissent et reviennent dans les représentations au moment où les journaux traitent de l'événement. Alors, je vous montre ici nous vous montrons quelques dessins, plus une couverture de l'hebdomadaire Détective. Vous voyez le premier, là. Je l'enlèverai volontiers ça de son pied, mais je n'y arrive pas. Le premier, voilà, vous montre Albert Sarrau, donc le ministre de l'Intérieur, qui remonte dans un train pour Paris après l'incendie. Et alors, vous avez sur la droite deux figures, on va dire, de Marseillais, hein, deux incarnations archétypales de Marseille, Marius et Olive. Parce qu'il existait à cette époque, hein, dans les années 30, beaucoup de blagues, comme les histoires drôles d'aujourd'hui, en français, en américain, etc. Mais il y avait des cahiers d'histoires drôles marseillaises, dont très souvent les deux personnages étaient Marius et Olive. Et donc il y avait un dialogue entre les deux. Et alors là, vous les voyez, et l'un dit à l'autre, « T'es Olive, regarde ce fada, la prochaine fois que tu le vois à Marseille, c'est le rat de marée. » Parce qu'en fait, la fois précédente, quand Albert Sarrau était venu à Marseille, c'était pour accueillir Alexandre de Yougoslavie, non, le roi de Yougoslavie, qui avait été assassiné sur la Canebière. Donc voilà, d'où un traitement comique de l'événement. Mais évidemment que cet événement, à ce moment-là, on avait déjà accusé la mairie marseillaise de ne pas avoir fait le nécessaire pour assurer un bon service d'ordre. Alors même que des historiens, Olivier Monnier en particulier, hein, a montré qu'on ne pouvait pas... c'était une interprétation abusive. D'autre part, je vous montre, vous voyez au milieu ici, une planche de caricatures, de dessins satiriques issus de Candide. J'ai dit Olivier, mais c'est Frédéric Monnier, excusez-moi. De Candide, paru le 16 novembre 1938. Alors, cette planche reprend sur un mode humoristique un ensemble de scandales qui ont frappé Marseille depuis le début de l'année 1938. Donc, le moment de l'incendie, en fait, c'est un moment où on se met à faire un peu la liste de tout ce qui est en train et qui ne va pas bien à Marseille. Alors, par exemple, on a découvert un scandale de fausse réforme.
C'est-à-dire qu'à une période où la guerre s'approche, et on va en reparler, on découvre qu'il y a des médecins qui ont signé des faux certificats médicaux pour exempter de service militaire de jeunes Marseillais en bonne santé, et notamment des joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc c'est ça qui fait que ça crée vraiment le scandale. Après, il y a un autre problème, c'est que il y a un grand scandale policier qui a éclaté dans l'été, où on a découvert que dans la police, qui est pourtant une police qui avait été étatisée pour la protéger des influences locales dans les années 1900, ben, on découvre qu'en fait, il y a toute une partie des agents qui sont, un certain nombre d'agents qui sont corrompus. Alors évidemment, on pense qu'il y a plus de corrompus que ce qu'il y en a, mais il y en a vraiment un certain nombre. Il y a eu des trafics de papier, il y a eu des passages à tabac dans les bureaux de la police judiciaire pour faire avouer des suspects, et puis surtout il y a un certain nombre d'affaires qui restent non résolues parce que la police fait pas bien son travail, et dès qu'on met la police mobile ou la gendarmerie sur l'affaire, eh bien ils trouvent les suspects qui étaient disparus, enfin ils arrivent à résoudre très rapidement les cas. Donc il y a tout un ensemble de problèmes, sans parler d'un scandale politique lié, pardon, aux fraudes électorales au cantonal de 1937 en fait. Donc qui met en cause des militants socialistes. Il y a aussi un médecin socialiste qui est au conseil municipal et qui est impliqué dans les fausses réformes. Donc là, il y a un climat qui est particulièrement délétère et qui bien sûr est exploité lors de cet événement. Mais pour comprendre la mise sous tutelle de la ville en mars 1939 par décret-loi, il faut évoquer un contexte national qui dépasse le seul cas marseillais et le seul cadre de la mauvaise réputation marseillaise. D'abord le fait que dans la France de l'entre-deux-guerres, la réforme administrative, c'est un thème qui court, c'est une sorte de serpent de mer qu'on voit monter à partir, on va dire, de la fin de la Première Guerre mondiale, quand on veut réduire les dépenses des collectivités territoriales et appliquer à la gestion municipale des méthodes inspirées de la rationalisation dans les entreprises. C'est-à-dire ce qu'on fait dans les entreprises, les organisations scientifiques du travail, etc. Il y a des gens qui commencent à penser qu'on peut l'appliquer aux municipalités, aux collectivités territoriales, aux administrations, à la poste, etc. Et en plus, dans le contexte de la crise des années 30, c'est d'autant plus évidemment sur le devant de la scène parce qu'on veut faire plein d'économies. Et là, Marseille, évidemment, a l'air d'être un très mauvais élève, hein, parce que, évidemment, elle ne gère pas de manière suffisamment rationnelle son budget. En 1938, en plus, après le Front populaire, évidemment, on pense que, là, qui est en train là, de se défaire, bien sûr, on pense que ce Front populaire a ruiné le pays. Donc, vous voyez, c'est encore plus important de faire des économies. Et alors, le 10 novembre, arrive au ministère des Finances Paul Reynaud. Alors, Paul Reynaud, il accentue le tournant libéral du gouvernement. Il veut restaurer la confiance des milieux d'affaires, il veut restaurer la croissance. Et pour ce faire, il pense qu'il faut un grand choc, hein, un grand choc psychologique. Et par décret-loi, il institue un comité de réorganisation administrative que, très rapidement dans la presse, on va appeler le comité de la hache, c'est vous dire si on pense qu'il va évidemment sabrer dans les dépenses. Ce comité, il se constitue une équipe d'inspecteurs des finances qui sont envoyés dans les régions auditer l'ensemble des administrations. Et évidemment que dans le contexte que vous imaginez, il y a déjà eu une première enquête administrative sur la gestion municipale du corps des pompiers. Évidemment que pour Marseille, évidemment, ça va être une catastrophe parce que l'agent qui fait le rapport, enfin, lorsque le comité produit son rapport, il produit une enquête révélant donc tout un ensemble de dysfonctionnements en termes d'attribution des marchés publics, dans les termes des conventions qui sont passées avec les entreprises qui gèrent des services publics, et bien sûr, revient sur le devant de la scène des choses qui étaient déjà connues, parce qu'il y avait déjà la Cour des comptes qui avait fait des rapports, par exemple. Donc ce que disait Céline, c'était connu là, sur la trop grande importance du personnel municipal. Mais évidemment, tout cela joue contre Marseille et justifie la prise de ce décret-loi du 20 mars 1939, parce qu'on pense que seule cette méthode forte pourra, je cite, atteindre toutes les causes du mal dont souffre la grande cité phocéenne.
Et la méthode des décrets-lois, bon, vous connaissez sans doute ça, hein, ça vise à réformer de manière autoritaire, brutale et rapide, sans passer par les navettes entre les chambres. Or, il y avait déjà des débats au Parlement pour produire et inventer un nouveau statut administratif pour Marseille, qui réforme la loi de 1884 et qui s'inspire de Paris. Mais finalement, le gouvernement coupe l'arbre sous le pied des parlementaires et impose donc la mise en place d'une la nomination d'un administrateur pour la ville qui est un haut fonctionnaire. Et c'est ce qui est très important, c'est que ce haut fonctionnaire, il va être dépendant directement du ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est ce qui change la donne. Mais pourquoi il y a ces réformes aussi autoritaires à la fin des années 30? Eh bien, parce qu'on est quand même dans un contexte où on sait, et ça Daladier le sait très bien, que, en tout cas l'anticipe, hein, il anticipe la guerre. C'est-à-dire là, vous voyez, l'incendie s'est produit à peine un mois après les accords de Munich. Les accords de Munich, ils sont intervenus après un mois de crise internationale, hein, c'est la crise des Sudètes, qui débouche sur la signature des accords de Munich, quand les Français et les Anglais abandonnent leur allié tchécoslovaque, abandonnent les Sudètes aux Allemands pour sauver la paix. Alors tout le monde est très content, Daladier est très populaire en France, et particulièrement à Marseille, quand il arrive, il est le sauveur de la paix, mais lui, Daladier, hein, on le sait, il pense que ce qu'il faut, c'est gagner du temps pour renforcer la France, pour qu'elle soit bien armée face aux Allemands. Renforcer la France, c'est quoi? C'est accélérer le réarmement. Ça, le Front populaire l'avait déjà fait. Réarmer la France depuis 1934-1935, depuis que l'Allemagne elle-même se réarme, on réarme en France. Donc, il met en place tout un ensemble de dispositifs pour favoriser les entreprises qui travaillent pour le réarmement, étendre la journée de travail, etc. Mais d'autre part, ce qui est très important, c'est de mettre la population en sécurité et d'organiser ce qu'on appelle la défense passive. Et notamment, en 1938, donc pendant l'été, est pris une loi qui vise à forcer les préfets et les maires à s'entendre pour organiser la défense des villes contre les bombardements. Or, qui dit bombardement aérien dit incendie. Et que montre l'incendie des Nouvelles Galeries à Daladier, qui en plus est face à l'incendie? Eh bien, c'est que Marseille n'est pas prête. Donc, quand on associe trop directement la mise sous tutelle de la ville et avant ça, la réforme du corps des pompiers à la mauvaise réputation de la ville, on oublie un peu ce contexte, qui est que, au soir de l'incendie, le gouvernement prend conscience que Marseille, en cas de bombardement, n'a pas les moyens de subvenir à sa sécurité. Or, Marseille, c'est un grand port, en Méditerranée, il y a des terminaux pétroliers, il y a des enjeux stratégiques, il faut reprendre en main Marseille, il faut contrôler Marseille et assurer la sécurité du pays. Et donc, voilà, ce contexte-là joue énormément. Et je m'arrêterai là, vraiment. Voilà. Alors, on peut prendre quelques questions. On a un petit peu de temps, une petite demi-heure pour discuter ensemble. Donc, si vous voulez revenir sur un certain nombre d'éléments et nous poser des questions à tous les trois, on est là pour ça. Bonsoir, j'ai lu quelque part il y a très longtemps, donc j'ai vraiment pas des souvenirs très, très précis, qu'en fait, Édouard Herriot logeait à l'hôtel Noailles, je crois que vous l'aviez dit au début, mais j'ai lu aussi qu'on a beaucoup parlé de Daladier, mais que Édouard Herriot avait eu un rôle fondamental, en tout cas, peut-être dans la transformation dans l'arrivée du bataillon, dans la transformation, je veux dire, des secours et la création du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Je suis pas, j'ai pas vu ça. Ce qui veut pas dire que vous avez tort. Ça peut être que moi j'ai pas cette information là, mais peut-être qu'il faudrait que je l'aie. Parce que la décision est prise pour transformer le bataillon.
des sapeurs-pompiers, en bataillon des marins-pompiers. Il me semble qu'il faut d'abord qu'un premier décret-loi soit pris qui permet qui donne le pouvoir au gouvernement, lorsqu'il y a des gros enjeux de sécurité, de transformer l'organisation des corps municipaux de sapeurs-pompiers, parce qu'ils étaient municipaux à l'origine dans la plupart des villes, d'après les lois municipales de la fin du 19e. Donc ça, c'est plutôt le gouvernement. Et Édouard Herriot, si je ne me trompe pas, je pense qu'il est plutôt président de la Chambre à ce moment-là. Donc voilà. Et ensuite, donc, une commission administrative est mise en place, qui fait intervenir le préfet et un certain nombre d'experts, notamment, je pense, donc l'amiral Muselier, qui est un amiral de la marine, qui ensuite va avoir autorité sur ce nouveau corps. D'autre part, le chef du bataillon des sapeurs-pompiers parisiens. Donc je ne sais pas où intervient Édouard Herriot, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y intervient pas, et peut-être aussi que l'exemple des pompiers de Lyon a servi, entre autres, de modèle. C'est pas impossible. Ce qui est sûr, c'est qu'Édouard Herriot, je pense qu'il avait vraiment le souci de faire un coup médiatique en faisant venir et parader ces pompiers qui, lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain, ont quand même, j'ai exagéré un peu en disant qu'ils n'avaient plus rien à faire, en réalité quand ils arrivent il est 22h et ils vont relayer les pompiers épuisés localement, donc les aider à continuer à arroser les flammes, arroser le feu, permettre que l'incendie ne reprenne pas. Et ils repartiront le lendemain. Bonsoir, merci beaucoup, c'était absolument passionnant. Une question en toute sympathie et qui est la seule chose qui me convainc moins, mais c'est pour vous entendre sur ce sujet-là. La seule chose qui me convainc moins, c'est qu'on voit bien comment vous montrez très bien comment on se paye les socialistes à ce moment-là. Ce que je sens moins bien, c'est la différence entre la mauvaise réputation de Marseille, qu'on connaît bien et depuis longtemps, et les faits. C'est-à-dire que vous avez en réalité un peu de mal à dire que les faits sont en dessous de la réputation. Qu'est-ce que vous entendez par là, les faits sont en dessous? J'entends par là que vous avez fait une liste incroyable de très grands problèmes structurels dans cette ville. Non mais on est bien d'accord. Ah oui. Alors, moi quand je traite ce sujet en public ou à l'université ou... J'essaye toujours d'expliquer, mais peut-être que là je ne l'ai pas bien fait, que de toute façon, une réputation, une représentation, ça n'est jamais hors sol. C'est jamais, ça tombe jamais, les idées ne tombent jamais comme ça du ciel. Donc y a toujours, ça repose sur des éléments. Ce qui est important ici, c'est de voir comment ça agit en retour sur le réel. C'est-à-dire, ça a des effets sur le réel. Quand, dès le lendemain, on réclame une démission dans la presse à la suite d'un incendie, c'est qu'à un moment, la réputation a été un facteur qui a agi sur le réel. Vous voyez ce que je veux dire ? Les socialistes de Marseille, dans ce cas-là ? Là, c'est les socialistes qu'on se paye. C'est un ensemble, c'est-à-dire ouais. c'est la mairie de Marseille, et en plus il se trouve que c'est une mairie socialiste, ce qui à cette époque-là, vous l'avez bien compris, n'est pas tout à fait confortable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un aller-retour constant entre des imaginaires, on pourrait dire, pour être plus simple que des représentations, des imaginaires qui sont construits évidemment à partir d'éléments réels, et la liste est absolument faramineuse, vous avez raison. La question serait de savoir si elle n'est pas aussi faramineuse dans d'autres villes. Finalement, peut-être, on ne le sait pas, mais voilà. Mais surtout, le fait que Marseille ait cette réputation agit en retour sur le réel. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il me semble qu'on voit la même chose en 2018. Ou, comme l'a dit Michel Sanson, on voit la même chose à de très nombreuses reprises où finalement il y a un raccourci assez simple qui est fait dans les esprits, c'est un raisonnement tautologique, c'est normal que ça se passe comme ça parce que Marseille est une ville pourrie. Donc, ça veut dire que Marseille est une ville pourrie. Vous voyez,
Voilà, moi, c'est ça que je peux répondre. Oui, je rajoute juste que, oui, mais là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est fort compliqué pour nous, je pense. C'est-à-dire, c'est comment on fait pour articuler l'effet leur interprétation par les acteurs. Ça, c'est le cœur, je dirais encore le cœur, le nœud du problème. Comment se construit une réputation dans les années 30 ? Comment, à un moment donné, se précipite un ensemble d'éléments qui, jusque-là, n'étaient pas associés les uns avec les autres, forcément ? Je pense que là, l'événement de l'incendie, il joue un rôle fort, il joue un rôle de précipitation d'un ensemble de faits qui jusque-là étaient un peu distincts les uns des autres, et c'était un peu, il y avait deux façons un peu dormantes, cette mauvaise réputation de la ville qu'on voit monter en fait à partir de la fin des années 20. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'il y a un scandale qui a lieu au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui est un scandale, alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est super technique, mais c'est un scandale qu'on appelle celui des carnets médicaux. En gros, ça pourrait être, si c'était aujourd'hui, ça serait une fraude à l'assurance maladie, en fait, que font des médecins. Bon, ce scandale, il touche, je pense, à mon avis, à 80% des Marseillais, des médecins marseillais. Hein. Et bien, jamais dans la presse, à nulle part, on dit « Ah, ça, c'est bien Marseille ». C'est-à-dire, à ce moment-là, cette réputation, elle joue pas comme ça. Par contre, elle se met à jouer comme ça dans les années 30. Et après, ce qui est hyper compliqué, c'est comment on comprend l'articulation. Et quand on regarde les archives, il y a deux rapports du commandant Beignet, qui est le commandant des sapeurs parisiens, qui est missionné par le gouvernement pour expertiser sur le plan technique le corps des pompiers marseillais. Quand il arrive, on lui a dit qu'il faut faire un rapport tout de suite, rapide, et puis on prend un deuxième plus circonstancié. Mais en fait, son premier rapport, il dit en gros, je suis allé inspecter les pompiers, c'est une caserne des lecteurs. Bon, il a un rapport qui est hyper critique, et en même temps, le deuxième rapport est plus construit, présente plus d'éléments techniques convaincants, et là, moi, je me suis dit, ben, le gars, il arrive avec ses représentations, quoi. Il arrive et il pense déjà que c'est ce qu'il va trouver, et c'est ce qu'il dit en premier. Et après, c'est ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas aller dans le détail des négociations locales, de comment on lui a dit localement dans ton premier rapport, qui en plus a filtré dans la presse et tout, tu ne peux pas faire ça, pour nous c'est la mort, etc. Donc dans quelle mesure après il modère son interprétation. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des représentations qui sont là, qu'on voit jouer, qui ont des effets de réel, et donc il y a cet effet boule de neige, et voilà. Mais je suis d'accord que c'est un sujet important. Merci beaucoup, merci. À cette époque. Attendez, j'étais là. Oui, je voulais, par rapport à votre question, il y a deux choses qui me paraissent importantes. La légende, l'imaginaire, peu importe le mot, effectivement, ce n'est pas forcément le réel, et ça a des influences sur le réel. Par exemple, si vous discutez ou vous allez à des procès, vous avez des jeunes dealers qui parlent comme dans des films. C'est des films. Et eux, ils vont faire exactement comme dans le film. Et c'est vrai aussi pour l'urbanisme, je crois. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qui me paraît importante, mais qui, alors, je ne sais pas si ça relève de la sociologie, de l'anthropologie, ou je ne sais pas quoi, c'est que le fait que Marseille est une mauvaise image construit la France. Je veux dire par là que nous, on sait que c'est faux. Mais les Bretons, ils pensent que les Marseillais sont comme ça. J'ai dit tout à l'heure, comme je pense que tous les Corses sont flemmards. C'est idiot. Mais c'est ça qui fait l'unité nationale. Je pense que la construction des légendes fait une question majeure de l'imaginaire national. Aussi bien qu'on est tous catholiques et tous, c'est complètement idiot, mais ça construit. Le fait que ce soit faux, n'empêche pas que ça construise, et particulièrement dans le monde politique qui lui-même joue toujours des légendes. Quand je citais que M. Godin parle du Marseille bashing, mais que le film de Netflix est tourné dans son bureau, c'est un truc de cinglé quand on réfléchit. Mais il le fait. Et après, il dit, c'est le Marseille bashing. Donc, ça a des effets en rond, de récurrence, mais qui sont le réel. L'imaginaire, c'est aussi le réel. C'est ça que je veux dire. Donc, la séparation comme ça... Alors, quand les historiennes font le travail sur les faits réels, c'est à 9h15 et c'est pas à 9h30, ça, c'est tout à fait important. Mais le fait qu'on construise une image ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est ce que je voulais dire. Vous dites, l'image construit le réel. Vous venez de dire l'image construit le réel, et c'est pour ça que je ne comprends pas vraiment votre démonstration sur le nombre de bouteilles de pastis vendues dans le Pas-de-Calais. Est-ce que
excusez-moi. Je voulais connaître en fait les conséquences de la mise sous tutelle de Marseille, parce que vous nous avez décrit en fait les causes, mais pas les conséquences. Est-ce qu'il y a eu des compétences particulières qui ont été reprises par l'État? Et quelles ont été Alors, il faut retourner au décret-loi. Pour vous en dire quelques mots, d'abord, un administrateur extraordinaire est nommé. L'État prend énormément de pincettes pour pas, d'une part, pour essayer de préserver l'honneur des Marseillais, parce qu'on sent très bien qu'il y a une forte inquiétude sur la manière dont ça sera perçu. Donc c'est rigolo quand on va voir les archives, parce qu'il y a un premier projet qui dit nous allons nommer un administrateur extraordinaire dans votre ville, et puis on voit qu'il y a une incursion, une correction dans votre très grande ville, parce qu'il faut quand même expliquer aux Marseillais que voilà, ils sont quand même considérés à Paris. Et puis d'autre part, le gouvernement a très peur que l'ensemble des maires de France s'inquiètent et se révolte. Donc il est décidé de manière stricte dans le décret-loi que c'est pour une période de 6 ans, que ce n'est que transitoire et que c'est pour, en gros, épurer l'administration, en fait, c'est-à-dire licencier les agents qui ont l'air de n'avoir rien à y faire ou qui sont en surnombre et réorganiser, je dirais, ce qu'on pourrait appeler l'organisation des services, parce que à Marseille, le maire, il est de tradition qu'il y ait énormément de délégations du pouvoir municipal. Alors je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a une quarantaine, enfin que c'est quelque chose qui paraît depuis Paris être une sorte de folie, puisque plus le pouvoir du maire est délégué à des adjoints, et moins le maire a de pouvoir. Or l'idée, à Paris, surtout dans les années 30, puisqu'on est dans une période où l'autorité est une valeur centrale, l'idée c'est de réduire le nombre de délégations, réduire le nombre d'adjoints et mettre des échelons, on va dire peut-être intermédiaires en fait, entre les agents de terrain, certains, et puis seulement quelques adjoints délégués à certains services pour rétablir l'autorité du maire et l'autorité des élus. Donc, et puis d'autre part, cet administrateur, il va être en rapport direct avec le ministère de l'Intérieur, qui est son supérieur, en gros, celui auquel il doit rendre des comptes. Et dans l'immédiat, ce qui va être fait, c'est réduire justement cette masse salariale. Il va y avoir un gros travail, malheureusement, très mal vécu, bien sûr, pour beaucoup d'agents qui avaient été embauchés et qui vont être licenciés, mis à la retraite. Il y a tout un travail comme ça. Entre autres choses, mais d'apuration, ce qui est vrai, c'est que finalement, il aura lui-même pas mal de difficultés à réformer. Il va rester en fonction tout au long de la période de la guerre. Ben, après, le contexte aussi particulier de la guerre change un peu les projets, quoi, font que ça devient aussi une autre situation. Quoi d'autre ? Oui, il y a aussi tout un contrôle des finances qui est fait, et qui est toute une réforme aussi des financements. Alors après, je ne peux pas trop vous en dire plus dans le détail, parce que c'est encore un terrain peu exploité, mais pour vous donner un exemple, ce qui est montré du doigt, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de conventions qui ont été passées par les municipalités antérieures avec des entreprises pour gérer des services publics, notamment les tramways ou bien des sociétés d'habitation à loyer modéré, et que la façon dont les conventions ont été passées, ou même la construction du stade en fait municipal, donc qui est l'actuel stade Vélodrome, je pense, et ces différentes conventions sont particulièrement favorables aux entreprises, c'est-à-dire que on leur donne un certain nombre d'argent pour d'abord pour bâtir les infrastructures, et en gros elles utilisent moins d'argent, donc elles font des bénéfices avec l'argent municipal, et ensuite la convention est faite de telle sorte que si le service est déficitaire, c'est la mairie qui paye et pas la convention. Donc en fait on réforme tout ça, en fait il y a tout ça qui est mis sur le tapis. Voilà, parmi plein d'autres choses, en termes aussi d'infrastructures d'arrivée d'eau, puisqu'on fait un certain nombre d'enquêtes qui montrent que Marseille est mal alimentée, que dans la banlieue, il n'y a pas suffisamment de sécurité, il n'y a pas suffisamment de réservoirs. Donc voilà, tout un ensemble de terrains qui sont mis en chantier. Bonsoir. Oui, alors... Justement, est-ce que ce type de mise sous tutelle a été testé sur d'autres villes ? Est-ce que ça a pu être envisagé avant l'incendie ? Est-ce qu'il y a eu d'autres villes qui ont pu être des villes moins grandes, justement, qui ont eu des mises sous tutelle ? Alors, c'est intéressant, je ne sais pas si... Ah oui,
Ah ben ça oui, sur l'ancien régime, Marseille a été mise sous tutelle, déjà effectivement, sous Louis XIV, oui. Mais c'est intéressant cette question parce que je me la pose aussi, et ce que j'ai trouvé, c'est que les villes communistes sont mises sous tutelle à partir du moment où le pacte germano-soviétique est signé, le parti communiste est déclaré hors la loi, et les maires communistes ne peuvent plus, ne dirigent plus leur ville, et donc j'ai trouvé des mentions de cet événement, mais qui... à ma connaissance, pour l'instant, n'a pas fait l'objet de beaucoup de travaux. Et je crois que c'est aussi oui, la ville de Saint-Denis, donc, qui était la ville de Doriot, qui a été menacée d'être mise sous tutelle ou mise sous tutelle. Mais je n'ai pas plus d'informations. Mais il n'y a pas que Marseille, en fait. Ça s'est posé pour d'autres villes. Et tout ça, ça s'inscrit, je pense, dans une histoire du rapport de l'État avec les municipalités, les collectivités territoriales, qui est en train de se faire, d'après moi. Oui, mais si je peux rajouter quelque chose, quand même, ça prend un relief tout à fait particulier à Marseille. D'abord parce que c'est la deuxième ville de France, c'est la ville la plus importante. Oui. Ensuite, parce que les deux autres très grandes villes, Paris et Lyon, qui sont des villes révolutionnaires, sont, du point de vue de la police en tout cas, sous un régime d'État depuis bien plus longtemps que Marseille. Donc, dans l'histoire de Marseille, en fait, au moins depuis la fin du XVIIe siècle, il y a une sorte de serpent de mer qui est le fait que Marseille est une ville fédéraliste et ingouvernable. Et vous avez le fédéralisme révolutionnaire qui menace. À plusieurs reprises, les Marseillais, durant la Terreur blanche, les Marseillais sont farouchement anti-bonapartistes. Donc, à plusieurs reprises, en fait, dans l'histoire depuis la Révolution française, Marseille est une ville qui s'illustre par le fait de tourner le dos à l'autorité de l'État. Temim, le grand historien, a même dit que Marseille était une ville qui tournait le dos à son territoire. Du point de vue de l'histoire, en fait, et là c'est intéressant parce que ça repose sur des faits historiques réels, mais il y a aussi la construction par-dessus de l'histoire d'une volonté d'indépendance marseillaise et d'une sorte d'antithèse à Paris. Et ça, Laurence l'a étudié dans sa thèse, bon, ce serait trop long à expliquer ici, mais disons que dans cette mise sous tutelle, qui effectivement, comme ça vient d'être dit, n'est pas unique ou inédite, il y a quand même une force symbolique ici qui est très très importante. C'est-à-dire c'est l'État qui a récupéré enfin cette ville ingouvernable et insupportable. Donc c'est ça en fait la force de l'événement. Et moi je trouve ça absolument fascinant. Il y avait un truc que j'ignorais dans ce que tu as dit, c'est que la tutelle était prévue pour 6 ans. Donc ça veut dire, moi je pensais que c'était tout simplement les événements de la fin de la guerre qui avaient précipité la fin de la tutelle, mais non, pas du tout. En fait, c'était prévu pour une durée déjà déterminée. Mmh. Mais la force symbolique du truc est vraiment très très importante. On veut faire un exemple aussi, quoi. On veut faire un exemple, c'est la ville ingouvernable, c'est la ville de toutes les antithèses en fait. Et c'est à la fois... Encore une fois, hein, j'y reviens, ça repose sur des faits réels, mais c'est considérablement monté en épingle aussi, parce que moi je comprends tout à fait ce que dit Michel Sanson, c'est parce que pour construire une nation, il faut parfois un ennemi commun. Et d'une certaine manière, cette mise en évidence du contraste nord-sud avec la capitale du sud qui est Marseille, et l'exemple de l'affaire du 15e corps en 1914 est absolument tout à fait pertinent, parce que les antipatriotes qui sont pointés du doigt au début de la Première Guerre mondiale, c'est les Marseillais, c'est les Provençaux. Donc les ennemis communs, ben, ça fonctionne hein, pour créer du commun. Je rajouterai que la destruction du panier pendant la guerre, pensée en Allemagne, exécutée par la police française et la RTM et compagnie, c'est aussi un exemple européen qui est donné. Oui, le chancre de l'Europe. Oui. Et ça arrange tout à fait les nazis une partie de l'État français de détruire ce quartier, ce qui est le seul quartier d'Europe à avoir détruit comme ça, à la main. Oui. Je ne parle pas des bombardements. Quartier de résistance, de prostitution et du milieu. Donc là, on a les... Voilà. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, très intéressant, et sur, effectivement, la position de Marseille et cette indépendance, en fait, et la réaction, donc, de l'État. Moi, je pense que, d'ailleurs, c'est ça, le scandale, hein, c'est cette mise sous tutelle, c'est-à-dire, c'est une mainmise, ces enjeux, ces jeux politiques, là, qu'on a vus entre les radicaux et les socialistes, et puis cette réponse...
extrêmement centraliste et puis administrative, absolument terrible, quoi. C'est vraiment nier une identité, en fait, et une existence à un lieu, à une communauté de gens et à une ville. Mais pour rebondir, en fait, sur ce que disait monsieur tout à l'heure, hein, sur, à propos des faits, c'est vrai que c'était dans votre développement, c'est vrai qu'on voyait bien tous les manquements aussi. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu une instrumentalisation politique à partir de faits réels, mais que qu'on cherche des responsables, effectivement, le vent soufflait, etc. Mais chercher des responsables, une réaction, en fait, des gens, d'une population, chercher des responsables, c'est bien normal. Mais ça dépend quelle réponse on donne. Et moi, ça me fait penser, par exemple, aux réponses pénales, et par exemple, la mise en danger d'autrui, et la responsabilité pénale des personnes morales, et notamment des maires. Et c'est vrai que dans toute cette affaire, il y avait probablement des manquements, comme aujourd'hui, il continue à y en avoir. Et ça, pour moi, comment dire, c'est pour mettre un petit peu, comment dire, pour atténuer un peu la part d'imaginaire. Je comprends bien ce que disait Michel Sanson, hein, sur l'imaginaire, tout ça est très prégnant, mais il faut effectivement arriver à penser les choses autrement que sur des enjeux qui sont des enjeux de pouvoir politique, voilà. Non mais je suis bien, je dis une phrase et puis je leur passe la parole. Je suis bien d'accord avec vous, je pense que Laurence a dit l'essentiel tout à l'heure en fait. L'événement permet de faire le lien entre diverses choses et de les précipiter, c'est-à-dire de leur faire prendre une dimension supérieure. Mais on est bien d'accord que les responsabilités morales et pénales sont là. Oui, puis j'ajouterais que ce qui est quand même spécial, c'est que, vous voyez, c'est vrai que c'était un incendie gigantesque. Quelques jours avant, il y avait eu un incendie dans une usine, si c'est important, que les pompiers marseillais avaient très bien géré. Et il y avait eu dans la presse des articles hyper élogieux du type nos fameux pompiers, nos fameux sapeurs sont venus à bout de l'incendie, on est vraiment hyper bien équipés, etc. Là, c'est vrai que c'est un cas très particulier, c'est le plus grand magasin de Marseille qui flambe, et une des raisons pour lesquelles quand même il flambe, c'est que pour des raisons de restrictions budgétaires, le gérant du grand magasin a renvoyé le pompier qui était à demeure dans ce grand magasin, mais qui ne servait à rien puisqu'il n'y avait pas d'incendie. Il y avait des travaux dans ce grand magasin et pour des raisons qu'on ne peut pas encore expliquer aujourd'hui, le système d'alarme n'a pas fonctionné. Donc en fait, il y avait un certain nombre de responsabilités qui incombaient, je dirais, à la Société des Nouvelles Galeries. Or, dans les jours qui suivent, si on parle de ces responsabilités, c'est uniquement sur un mode défensif, c'est que voyant les attaques qui pleuvent sur la municipalité, eh bien, la presse communiste et la presse socialiste qui défend la municipalité va avoir tendance à dire « Attention, il y a peut-être d'autres responsables ailleurs ». Mais c'est vrai que ça n'enlève rien au fait que le service des sapeurs municipaux n'était pas à la hauteur pour gérer cet incendie. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le fait qui démontre qu'ils ne sont pas à la hauteur, parce que jusque-là, ils étaient à la hauteur. En fait, il a fallu qu'ils se retrouvent face, en gros, à ce sinistre d'une ampleur, on va dire, inimaginable jusque-là, pour eux, hein, pour eux. Après, là où je vous suis complètement, c'est qu'il y avait eu des sinistres de ce type dans d'autres grands magasins à Paris, que le fait d'anticiper le risque, c'était quand même largement dans l'air du temps depuis la fin du 19e siècle, dans le cadre en particulier des industries, des mines, etc. On savait qu'il pouvait y avoir des accidents très graves et on mettait en place des plans d'organisation de gestion du risque. On le faisait en particulier, je pense qu'en cherchant, peut-être on trouverait dans les archives que le préfet y réunit, le chef de la police et différents chefs comme ça de la gendarmerie ou de la troupe pour dire tiens, que se passerait-il s'il y avait une grève générale, tout ça, je suis sûre que c'est très bien coordonné. Mais effectivement, la municipalité, elle n'a pas fait en sorte d'anticiper ce genre de risque. Et là, elle est en tort. À ce moment-là, on voit bien qu'elle est en tort parce qu'elle aurait probablement pu le faire. Elle aurait pu le faire parce qu'à Paris, certainement qu'il y avait eu des exemples, qu'elle aurait pu s'inspirer des méthodes. Et donc, il y avait certainement une carence dans la gestion du risque d'incendie.
Oui. Je crois qu'on va. Nous sommes partis. On va prendre une dernière question, monsieur, parce qu'après, il faut qu'on libère la salle. D'accord. Donc, Ouais, c'est pas une question, d'ailleurs. C'est une petite information. D'accord. On est parti de l'incendie des nouvelles galeries. Vous venez d'y revenir. Et moi, je voulais y revenir juste pour donner une petite information qui va bien dans ce débat. On a dit que l'incendie des nouvelles galeries avait créé le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Il y a eu un précédent intéressant, c'est la ville de Paris, Napoléon Ier, à la suite d'un incendie désastreusement traité par les services municipaux de Paris, qui a créé en 1811 le bataillon des sapeurs-pompiers de Paris. Donc il y a eu un grand précédent qui n'a pas eu les mêmes conséquences pour Paris que pour Marseille. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Mer